Bonjour, bonsoir. Enchanté, moi c'est Cohen. Pour ceux qui me connaissent déjà, il y a un gros morceau derrière moi, beaucoup de choses ont été faites. Donc là, je vais aller directement au cœur de ce que je vais dire, en essayant de ne pas trop m'évader. Donc je vais vous faire un set qui vient avec le support musical que vous entendez. C'est un Simply Anti-Stress numéro 1, pulsation première opus 1, qui va m'aider à vous l'élocution, à vous dire en fait tout simplement trois textes. Alors j'ai été fouillé dans tous les manuscrits, les recueils de poèmes, tout ce qui m'est tombé sous les mains, et gracieusement je l'ai réadapté. Voilà. Donc le Simply Anti-Stress, Spatchill, c'est pour quatre autres qui ont été faits. Donc là, l'anti-stress, il y a exactement 6 pistes. 6 pistes et 3 textes, mais 3 longs textes. Voilà. Donc c'est parti, mon pic. Citation venue du cœur de l'Orient, revisitée par moi-même. Petite introduction, pour vous dire, Cohen s'en est allé rendre visite à des maîtres de la parole, des sages, tous ceux que nous ont laissés des érudits, et j'ose le déclamer, des génies, quelques écritures, comme de saintes écritures. Humblement, je me suis permis de citer, de commenter ces auteurs aux talents phénoménaux, d'y mettre un peu de moi, un peu de moi, afin d'en saisir toutes les sens, d'y extraire l'or des mots. Ces citations sont absolument somptueuses. Elles viennent s'offrir comme des fraises à cueillir, poussant et repoussant, délivrant leur charme à qui veut de droit. Voilà de quoi méditer, les oiseaux, tout en se reposant. Anti-stress, premier monde, il y a donc, comme j'ai dit, 6 mondes, on est dans le premier monde et la moitié. Je commence mon texte donc sur les citations du côté devenu de l'Orient. Bonne écoute, commençons par le commencement. Jadis, disait le sage, alors que les deux principes n'étaient pas encore scindés, c'était la source immense, le chaos, nulle lumière, nulle image, nul son, nulle ténèbre, nul écho, nulle obscurité, calme profond et vide dans l'origine, obscur naquit alors le souffle. Une chose, un principe pour dire que l'architecte de l'univers, c'est-à-dire Dieu lui-même, concentra toute chose en un point de création, c'est-à-dire Dieu. Entre parenthèses, votre thèse sera la mienne. Ainsi, tout ce qui constitue une unité organique, où tout est dans tout, où tout est interdépendant de tout, nous révèle que rien n'est inséparable du plus petit au plus grand. Et comme tout est dans tout, j'ajoute que le principe est ternaire. Tout en lui est triade. Le 2 implique le 3, comme la différence de potentiel entre les deux pôles, positif et négatif, d'une pile électrique ne donne quelque chose de concret, bordel, que s'il existe quelque chose qui les relie. Et là, ça. Pourquoi? Cherchons, c'est tout simple. On va puiser dans le Tao. Tao, tout le monde connaît, livre chinois, millénaire, génial. Donc le yin, petit cours sur le Tao, complémentaire, donc dynamique de tout ce qui existe, fondée sur les jeux infinis de deux puissances opposées, mais complémentaires. Le yin est la vertu féminine qui unit, intègre.
uniformise, pacifie. Le yang, vertu masculine qui sépare, individualise, différencie pour finalement activer ce qui doit l'être. Ainsi, le principe est dans l'invisible et l'usage dans l'imprévisible. Si l'on va au bout de soi, même, le souffle originel est le commencement de soi. D'ailleurs, quiconque cherche à tirer quelque chose de son expérience présente s'en trouve séparé de fait. Il est sujet et devient objet. Il ne voit pas qu'il est l'expérience. Cette expérience, et que s'efforcer d'en tirer quelque chose revient à se poursuivre soi-même, soit un serpent qui se mordrait la queue infiniment, ou qui dandinerait, ou un scorpion. Et là, c'est le scorpion, non. Bon, donc, à se poursuivre soi-même. Ainsi, à partir du moment où on a essayé d'analyser, d'expliquer une chose, on peut perdre entièrement l'essence même de cette chose. Je veux dire l'essence de l'expérience. La vie elle-même est au-delà de toute définition. Il suffit. Il suffit tout simplement de l'éprouver en la vivant. Éprouve-toi. Fais front, existe. Sois toi-même. Le sage vient nous offrir des fleurs en forme de petites devinettes. Tenez, quelques-unes par-ci par-là que j'ai récoltées dans les jardins. Aux senteurs délicates. Qu'est-ce que la richesse? C'est de ne rien avoir. Celui qui sait casser, c'est assez, comme un cétacé, et c'est assez, et koal, double jeu de mots, en aura toujours suffisamment. Alors là, mes oiseaux, on va arriver au terme du premier monde, arrivant sur la deuxième piste. Donc, avant de me lancer dans autre chose, je vous fais le pont miraculeux. Voilà, la transition entre le premier et le deuxième monde nous apparaît maintenant un chemin sur le deuxième monde. Que dit le sage? Dit le sage aussi, se taire, tu sais, est souvent le meilleur usage de la faculté de parler. Fais, contemple, regarde avec les yeux du cœur et de l'amour. Inutile de tirer ton épée pour couper de l'eau. L'eau ne cessera jamais de couler. Alors on peut dire que seul l'océan est. Les vagues, elles, ne sont que formes. Rien n'est distinct de l'océan. Elles n'ont aucune existence propre. Existence propre. Ils ne sont que des formes éphémères. Aussi, on remarque dans le va-et-vient de ces vagues cette complexité déconcertante de notre nature qui seule devient à nos yeux une danse. Un somptueux ballet, une farandole sans d'autre but d'exécuter toutes ces milliers de figures qu'elles nous donnent à admirer tant et tant de fois, indéfiniment, pour notre plus grand plaisir. Oh oui! Nature qui se sculpte, merveille, 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 merveille. Il est un fait que celui qui voyage n'a pas de plan établi, n'a pas l'intention d'arriver où que ce soit. En chemin, il est en route, sans objectif. Il avance. On en conclut que le chemin n'est pas difficile pour celui qui n'a pas de préférence. Ou ça, ou ça, ou pas ça, ou ceci, ou cela.
Les rangs, le voyageur, l'ermite, le sage, tous portent en eux la sagesse infinie. Ils sont, ils demeurent dans l'éternité de l'existence. Et cette existence du sage est donc une vie qui s'abandonne sans aucun calcul au présent, les âmes. Je vous l'ai pas dit encore. Mes âmes et messieurs, l'existence du sage est donc une vie qui s'abandonnerait sans aucun calcul au présent. Connaître, c'est, poursuit-il, ne rien savoir. On aura prise sur le dehors, très important. On aura de prise sur le dehors qu'en réglant le dedans. Pardon, je m'étais égaré. Le dedans, car notre vie n'est qu'une parcelle que le ciel et la terre nous ont confiée. Notre vie n'est pas d'autre, nôtre. C'est un don de l'univers, du grand architecte, Her Majesty. Sa majesté, d'ailleurs. Appelons-la comme vous le voulez, vous le désirez, vous le saurez, vous l'êtes. Sa majesté, nous ne sommes que des âmes, corps et âmes. Dieu nous a donné la vie. Ce n'est pas pour rien, à nous, notre tour de vivre comme il se doit, afin d'honorer ce qui nous a été légué. La vie est un départ et la mort un retour. De là vient que le saint homme conserve l'unité. Il est le modèle du monde. Il ne se met pas en lumière. Le saint homme, il est le modèle du monde, ne se met pas en lumière, voilà pourquoi il brille de mille feux. À propos de savoir ou ne pas savoir, ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas, car le sage n'enseigne que par ses actes, non par ses paroles. Il agit donc au cas par cas, Kohan, en fonction de ce qui lui semble juste. Car on peut dire et faire, ou faire en disant. Finalement, le sage fait, dit, comme il le sent, soit l'un ou l'autre. C'est du kiff-kiff. Pareil, tout pareil. Le fait est que notre mode d'analyse des choses, notre perception, masque cette réalité, que tous les événements n'existent pas indépendamment les uns des autres, parce que tout est dans tout. Je permets de m'hydrater mes oseaux, vous me connaissez, hein. Faut bien que je le passe, au moins. Vous dire que j'en bois 10 litres par jour et de la gelée. Non, pas de la gelée, de la confiture, de l'eau gelée. Oui, je suis potomane. On appelle ça comme ça, donc il faut faire attention aux reins. Et ben moi, je m'en fiche, hein, et je suis comme je suis. Voilà, donc on revient sur notre Simply Anti-Stress, deuxième monde. Mesdames et messieurs, mes âmes et messieurs, nous a légué, la vie est un départ et la mort est un retour. De là vient que le saint homme conserve l'unité. Il est le modal du monde. Il ne se met pas en lumière. Voilà pourquoi il brille de mille feux. À propos de savoir ou ne pas savoir, ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Je vous l'ai déjà fait. En fonction de... Le fait est que notre mode d'analyse nous masque cette réalité que les événements n'existent pas. Je le dis. Doucement, les paroles restent, et le sage avec elles. Il dit, l'infini demeure impossible à être défini, de quelque manière ou approche que ce soit. Il est partout l'infini. Ainsi, l'homme imite la terre. La terre imite le ciel. Le ciel, l'univers. Et l'univers n'a d'autre modèle que lui-même. L'un dans l'autre, la terre, le ciel,
le Saint-Esprit. L'univers dit les sages, puis il poursuit, de même qu'il est parfois nécessaire de se taire pour entendre ce que les autres ont à dire, la pensée elle-même doit faire silence pour pouvoir penser à autre chose qu'à elle-même. Donc l'homme, dont le corps n'occupe qu'une si petite place sur terre, atteint grâce à son esprit l'immensité du ciel et de la voûte céleste, incarnée dans les étoiles. Ça, c'est sur un autre texte. Incarnée dans les étoiles, c'est le regard des petits qui se nourrisseraient d'un récit d'un sage, et les étoiles brilleraient comme des enfants qui souriraient à la vie toujours, même dans la vieillesse. Donc la pensée elle-même doit faire silence pour pouvoir penser à autre chose qu'à elle-même. C'est tout simple. Donc l'homme, dont le corps n'occupe qu'une si petite place, atteint grâce à son immensité l'immensité du ciel. Son corps et âme sont réunis l'un dans l'autre. On va basculer sur le troisième monde. Je le fais en douceur. Ce troisième millénaire, cette troisième galaxie, on voyage vite à la vitesse de la lumière, les oiseaux. Voilà le sage qui s'éteint dans la demeure de la grande ténèbre et s'éveille à contempler la région de la lumière éclatante. Moi, j'allume ma bougie. Le Seigneur verra sur lui. D'ailleurs, mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. Pour mettre un point final à ce défilé de citations, heureux héritage, j'en ai gardé une petite dernière, et pas des plus légères, une fleur en forme de pétales de rose, de fleurs. Si vous vous demandez ce qu'est le bonheur suprême, sublime, ici-bas, ici-là, ici, dans tout, serait d'écouter la chansonnette d'une petite fille qui s'éloignerait après vous avoir demandé son chemin. Merci, bonne soirée. Moi, c'est Lokoan pour vous servir. On passe sur le deuxième texte. Donc, toujours les citations venues du cœur de l'Orient. Mais là, petite prose en vrac, toujours sur son 31, second opus. Je me permets de me réhydrater. Vous pouvez apprécier la beauté de mes musiciens, de ce texte, de ce CD. Donc, on est sur le troisième monde. Il reste trois mondes, à savoir que le dernier monde à atteindre, c'est une galaxie qui fait 25 minutes. Il faut y aller piano qui va, piano va ça. Première chose qui nous vient à l'esprit, eh bien, s'aimer pour soi-même, avant de pouvoir aimer les autres. Ainsi, s'aimer soi-même, aimer les autres, sont les deux visages de l'esprit et de l'estime. Cette estime de soi, cette réalité du vécu,
ressemble comme deux gouttes d'eau à la confiance en soi, qui est une des clés du bonheur. Plusieurs visages du bonheur dans l'homme, l'estime, l'esprit et le cœur. C'est à peu de choses près les trois attributs, les joyaux de la couronne. Un point de départ qui s'apprécie extérieurement se sentira mieux intérieurement. Une banalité, une réalité, un principe de vie auquel nul n'échappe. La confiance. La confiance en soi, nous dit le sage, commande à ne jamais douter de soi. Tu sais, dit-il, n'oublie jamais qu'une once de confiance en soi vaut largement une tonne de connaissances. Ce thème de la confiance en soi va devenir maintenant omniprésent, parce que récurrent, parce que vital. L'autre visage de la confiance, son opposé, extrême, son contraire, c'est l'arrogance. C'est le fait d'avoir une estime de soi exagérée. Exactement. Gérée. Mal gérée. Ainsi, toi, ne te retourne pas. Fais front. Le fait d'avoir une estime de soi exagérée, l'arrogance, laisse-le de côté. Si toi, tu tiens le cap droit devant, sans te retourner, cette assurance que tu porteras en toi te fera ne donner aucune valeur à l'échec. Concentre-toi sur l'instant présent. Cette confiance est mère de toutes les régions du cœur. L'échec, c'est là une de toutes les peurs. Qu'il nous faut combattre, à combattre, à combattre. Je n'aime pas ce mot, mais il est réel. La vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Voilà pourquoi la confiance ne permet jamais de douter de sa propre valeur. Tu resteras ainsi convaincu, l'ami, que tu peux faire face à tous les défis. Alors, mon Dieu, fais confiance aux autres. Largement, les poumons gonflés d'amour. Ainsi, tu auras pleine confiance en toi, l'un dans l'autre, dans la joie de la réciprocité. Souris. Serre la main de ton semblable fermement. C'est une preuve d'estime pour soi et les autres. Cultive cette qualité, la confiance est un bon guide. Elle te dira par exemple, ne sois pas préoccupé, omnibulé par les choses pour lesquelles tu n'es pas. Bon. Souris, serre la main de ton semblable fermement. C'est une preuve d'estime pour soi et les autres, tu sais. Cultive cette qualité, la confiance est un bon guide. Elle te dira par exemple, ne sois pas omnibulé par les choses pour lesquelles tu n'es pas doué. Concentre-toi sur celles que tu fais avec talent. Tu verras, tu y gagneras en amour propre. Car nos compétences sont à la hauteur de la confiance qu'on porte en nous. Alors à chaque fois, pense que tout est possible. Les rêves peuvent devenir réalité. N'arrête jamais de te battre pour tes idées. Garde la foi. Bats-toi, fleur au fusil, pacifiquement. Avec ces mots, les mots qui sauvent, les mots et les actes qui sauvent. Juste, dans tous les sens du mot, justice. Celle des hommes et celle de Dieu. Alors, laisse ceux qui sont en colère. Concentre-toi sur toi, ce que tu fais, le bien, car tout homme est et demeure artisan de sa propre destinée. Ses pensées comme ses actes sont les outils avec lesquels il s'exprime et crée en partie sa vie. Homme et Dieu sont l'un dans l'autre, le chemin. Ainsi soit-il fait. Une coupure, les oiseaux. Bub, comme Bub, c'est-à-dire moi. Savez-vous qu'entre la Lune et la Terre, il existe un immense espace vide et que le vide est un obstacle insurmontable à la propagation du son. Donc, pas de réseau entre Lune et Terre.
Moi, je reste persuadé qu'un jour, il y aura du réseau. À voir de son vivant ou trop tard ou plus tard. Sympa la pub, on en apprend des vertes et des pas mûres. Maintenant, un étrange paradoxe. On ne peut changer qu'une fois que l'on s'est accepté soi-même, tel que nous sommes. En premier lieu, accepte-toi, toi. Une fois cette métamorphose accomplie, l'homme réalise qu'il ne va jamais si loin que lorsqu'il ne sait pas où il y va. Peu importe où tu en es, du moment que tu es en chemin, étant entendu que l'homme déplaçant une montagne commence par déplacer toute petite pierre. Oh, mais on l'a écouté, ça. Oh là là, me répète, hein. Oh là là, bon. C'est pour le dire de multiples façons. Et pour que ça irrigue les zones où ça doit être irrigué, il faut le répéter. Voilà. De même, réfléchir est essentiel. Agir, agir et demeure. Plus que tout, indispensable. Agir est et demeure plus que tout indispensable. Le monde est un livre dans lequel chaque pas vers l'avant nous ouvre des pages et un chemin vert. Un chemin vers la route, vers l'ailleurs. C'est pour ça, apprécie ce que la vie a à t'offrir. À t'offrir, plutôt que de te plaindre de ce qu'elle ne t'offre pas. Fais de ta vie ce rêve que tu caresses. Rends-le réel, ce souhait qui te tourmente, enlève-le. Il s'enlèvera, il se décollera. Regarde-le, mets-le à distance et tu le regardes. Vas-y, fonce avec tout ton amour, ta volonté. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Secret, secret du bonheur. Positive pour rendre les choses difficiles faciles. Il suffit bien souvent d'être qu'un peu optimiste. N'oublie jamais que même les échecs ont du bon, ravivant ta soif de réussite. Alors, qu'en pense le sage ? Oui. De même que le bébé tombe et se relève petit à petit, chaque jour, essayant, réessayant jusqu'au jour où sur ses deux petites cannes, il tient la pêche, il tient la canne à pêche. Reste à vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Qu'en pense le sage? On ne sait jamais combien de temps va durer le voyage. Une certitude, c'est qu'il commence par un simple pas. Ça, on l'a dit, on le sait. Un pied devant l'autre, un pas devant l'autre, sans s'en mêler les pédales, par contre. Ce premier pas commence en étant sûr que le meilleur point de départ reste et demeure l'instinct. Ton intuition, la première chose qui te vient à l'esprit. L'instinct qui te montre quoi faire. Ou dire, tout comme ton enthousiasme. Les deux on ne sait jamais combien de temps va durer ce voyage. La certitude, c'est qu'il commence par un simple petit pas, je l'ai déjà dit. Écoutez, mes aïeux, je me suis perdu dans mon texte. Donc, alors, quand sache que ta crête demeure l'instinct, ton intuition, la première chose qui te vient à l'esprit, l'instinct qui te montre quoi faire ou dire, tout comme ton enthousiasme. Voilà, les deux comptent, plus les deux en un, mais davantage l'intuition, comme l'animal, davantage que l'intelligence. En réalité, c'est un tout, l'un et l'autre, l'un qui soutient l'autre, les deux se confondant. Se confondant en un. Ainsi, sache que d'être conscient de ton ignorance est un grand pas vers le savoir. Tout a sa raison, son avant, son pendant et son après. Son après, son après, son après. Petit deviendra grand en face de Dieu, gentil farce de Dieu, antifa. Antifé. Allez, j'aime tant te voir s'ouvrir. Tu sais, les gens s'ouvrent plus quand ils se trouvent devant un large sourire.
Fais-toi plaisir, lâche-toi, donne, tu recevras. Fais de ton cœur un soleil à deux côtés. Doré, tu récolteras ce que tu as semé. Je le redis, celui-là est trop beau. Allez, j'aime tant te voir sourire. Tu sais que les gens s'ouvrent plus quand ils se trouvent devant un large sourire. Alors fais-toi plaisir, lâche-toi. Donne, 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 sans compter. Au comptoir et au grand comptoir, tu recevras. Tu recevras. Fais de ton cœur un soleil. À deux côtés, doré. Doré comme une belle femme sous le soleil. Tu récolteras ce que tu as semé. Et si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage-là, au moins, laissons des fleurs. Mais les oiseaux, parlons un peu d'amour. Comme les plantes ont besoin de pluie et de soleil, l'amour réclame de l'honnêteté pour s'épanouir. Le grand amour ne voit pas avec les yeux, mais avec le cœur et l'âme. Ce n'est pas quelque chose que l'esprit peut comprendre. Écoute le battement de ton cœur, il connaît la réponse. Sois dit en passant, sois pour toi-même ton propre refuge, ta propre lumière en toutes circonstances. Garde ton sang-froid. Protège-toi du malin, ne renie pas ce que tu as vu dans les ténèbres comme ce que tu as vu dans la lumière, car les deux communiquent dans les vases, communiquant de toutes les stations des corps subtils. Il suffit. Écoute, dit le sage, Dieu voit tout, il est partout, il est le chemin, ainsi soit-il. Quel chemin? Le chemin, il est le guide. L'immense soupçon d'amour, une grappe des raisins de sagesse. Le sage reprend, pour t'aider sur ton chemin, fais la distinction entre désir et besoin. Si tu te concentres sur ce dont tu as réellement besoin, tu multiplies tes chances de réussite. Aussi faut-il viser la lune. Je recommence avec celle qui est juste un peu avant, qui est vraiment extraordinaire. Le sage reprend, pour t'aider sur ton chemin, fais cette distinction entre désir et besoin. Si tu te concentres sur ce dont tu as réellement besoin, tu multiplies tes chances de réussite, car elles viendront à toi, si tu les veux, elles viendront à toi dans le besoin et la seule chose qui aille. Aussi faut-il éviter la lune, en cas d'échec on atterrit quelque part sur une étoile. Autre petit conseil, travaille pour vivre, mais ne passe pas ta vie à la gagner. Ne vis pas pour travailler, soit dit en passant, partage, coupe la poire en deux. Travail, repos, les deux font la paire. Les deux se suivent et s'assemblent comme un jeu de Playmobil. L'enjeu quel est-il? Vivre dans le bien-être conscient. Fou et amoureux de vivre, amoureux de tout. Ne vous étonnez pas si ça vous chatouille les méninges, la mémoire. Les oiseaux parfois passent des choses déjà entendues, des citations best-sellers, du lourd, mais je me permets de répéter pour que tout ça rentre bien. Là où cela doit aller dans des régions, des pays, pas si lointains que ça, des paroles qui voyagent, je le répète, mais que nous dit le sage? Que nous dit le sage? Les citations best-seller du poids lourd, du poids lourd, du poids lourd. Du lourd, alors pour irriguer les stations sèches, il faut du temps aussi, à la petite rigole, au petit lit d'eau, de descendre la montagne, de la monter, de la descendre, de faire son chemin. Trêve de petites leçons de morale. Je suis mal placé pour le dire. J'arrête pas de vous le faire depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Faut bien le faire, faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Le travail de nettoyage au balai. J'adore, je kiffe le balai. Le nettoyage au balai, j'adore ça, la vaisselle. Je suis un homme de ménage avant d'être un artiste. Plutôt l'inverse, mais comme un koan, c'est inversé, c'est optimisé. C'est là où ça doit être, c'est une vérité. Il n'y a pas plusieurs côtés. J'y reviens à quoi? Nous dit-il en forme de cœur, eh bien à l'amour.
Aimer et être aimé, c'est cela, être riche. Aimer, c'est ne plus avoir droit au soleil de tout le monde. On possède le sien, un idiot. Vrai, fou à la fois. Le soleil, on en aura toujours besoin, mais le soleil d'une compagne, c'est un sourire. Donc, voilà, on possède le sien, vrai, fou à la fois. Alors, pour celui qui regarde ce qui se passe autour de toi, eh bien, tout cela est bien moins important que ce qui se passe en toi. Affronte tes craintes sans les ignorer. Sache que l'argent n'achète pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Ainsi, ceux qui ont osé aller loin pourront découvrir jusqu'où l'on peut aller. Pour accomplir l'impossible, c'est précisément l'impensable qu'il faut imaginer. Ainsi, tu peux choisir ni quand ni comment tu vas mourir. Mais tu peux choisir comment tu vas vivre. Alors soyons reconnaissants envers toutes les personnes qui nous ont donné du bonheur. Elles sont devenues tous ces charmants jardiniers par qui toutes nos âmes ont été fleuries, mes âmes et messieurs. Affronte tes craintes sans les ignorer. Sache que l'argent n'achète pas le bonheur, mais qu'il y contribue. En ce qui concerne le chemin de la vie, j'ajouterai qu'il existe de nombreux chemins qui conduisent tous au sommet de la montagne. Quel que soit le chemin qu'on choisit, on peut toujours aller plus haut. De n'importe où, la vue est magnifique. Mais le chemin ne s'arrête jamais où l'on croit qu'il se termine. Toujours plus haut, toujours plus loin, comme le cerveau humain qu'on utilise encore trop peu. Lucie, Luc Besson, hommage. L'amour est le chemin, et si par surprise, en montant, en suivant le chemin, comme le toit du monde viendrait à s'écrouler, réjouis-toi de la beauté d'un ciel pur étoilé, la vision de cette voûte céleste qui veille sur nous et nous protège. Merci, messieurs les sages. Allez, une petite dernière avant le dernier texte. Merci, messieurs les sages. Une petite dernière. On se demande parfois si la vie a un sens. Et puis au hasard, on rencontre des êtres qui donnent un sens à nos vies. Comme celui qui donne et celui qui reçoit cette lumière. Tout circule en tout et pour tout. L'amour, le ciel, les éléments et l'œuvre de Dieu. Voilà que sa geffe s'achève, la sève de sa chèvre, ce second volet des citations de l'Orient. Ne vous inquiétez point, d'autres virgules viendront, il faudra être un peu patient, viendront les saisons des récoltes. À bientôt mes oiseaux, mes âmes et messieurs, merci pour l'écoute, bonjour et bonsoir chez vous. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous adore, je vous aime, je vous dis à bientôt avec Cohen. C'est toujours les positives vibes. Bisous.